Tell him, learn your lesson. We have this test
cannot succeed. Dans l'église, c'est comme ça. In the church, is that ceux qui sont fidèles sont ceux-là qui réussissent. Those who are faithful succeed. Ils ont une percée spirituelle avec Dieu. They have a breakthrough with God. La fidélité les amène à être dans la même intimité de Dieu. The faithfulness bring them the intimacy of God. Cette intimité de Dieu les ouvre des portes. And that intimacy of God opens doors for them. D'excellence. Excellency doors. Dans le domaine spirituel. In the spiritual arena. Les portes d'excellence. The gates of excellence. Dans la société. In the society. Et tu fais qu'il va prospérer. And make that will prosper. Et puis Dieu va lui apporter la richesse. And God gave him the wealth. Enfin, tu as bien l'air. Parce que je suis la voix de Dieu qui me bénit. I see God blessing you. À condition que tu sois fidèle. The only condition you should be faithful and loyal. Hallelujah. Hallelujah. Mais c'est fidèle. Those who are faithful. Ceux qui vivent la vraie loyauté. Those who are living this life. Ils ont beaucoup de manières, ils ont plusieurs manières de penser, de réfléchir. They have many ways of thinking and reflecting. Mais c'est ce qui les détruit. And what destroys them. C'est ce qui les affaiblit. It what makes them weak. C'est ce qui les éloigne de Dieu. It what them set them far from God. C'est ce qui les empêche de réussir. It prevents them to succeed. C'est ce qui les empêche de prospérer. It prevents them to succeed. Celui qui est infidèle. The one who is unfaithful. Il trouve celui qui est fidèle. He found the one who is faithful. Insensé et bête. That is stupid. Il s'est dit, mais il n'y a rien à faire. He said there are nothing to do. C'est ce que l'infidèle dit de du fidèle. What the unfaithful said about the faithful one. L'infidèle ne peut pas réussir. The unfaithful cannot succeed. C'est la maison de Dieu. In the house of God. Il ne peut pas réussir. He cannot. Parce qu'il est fidèle à Dieu. Because he is unfaithful to God. Il n'obéit pas à Dieu. He doesn't obey to God. Il ne s'identifie pas à Dieu. Doesn't identify pour être premier, il y a des règles à respecter. To be fair, we have rules to respect. Pour être dernier aussi, il y a des règles à respecter. To be last, we have rules to respect. Pour être parmi les vainqueurs, il y a des règles à respecter. To be among winners, we have rules to respect. Pour être aussi parmi les perdants, il y a des règles à respecter. To be among losers, we have also rules. La vie est simple. Life is very simple. C'est l'homme qui complique la vie. It's a human being complicating life. Si tu restes fidèle à Dieu, God will step faithful to God. Tôt ou tard, plaise au Seigneur. Let us soon please to God. Les portes seront ouvertes. Doors shall be opened. Et Dieu te donnera un nom nouveau. And God shall give you a new name. Et ceux qui t'ont connu vont pas te reconnaître. And those who knew you won't recognize you again. I'm talking about something. Les perdants découragent ceux qui gagnent. Losers are discouraging those who are winning. Les infidèles ont des paroles de déception. Unfaithful have words of deception. Parce que c'est leur nature, because c'est leur pensée. In their nature and their fault. Les infidèles essaient de détruire les fidèles. Unfaithful try to destroy those who are faithful. Mais celui-là qui est fidèle. And the one who is faithful. N'écoute ni à gauche ni à droite. Should not listen to the right or to the left. Que Dieu a établi dans sa parole. And he should listen to the rule God has set in his way. Afin qu'il soit heureux. In order that I should be happy. Beaucoup de nos chrétiens souffrent aujourd'hui. Many of our Christians are suffering today. À cause de leur infidélité à Dieu. Because of their unfaithfulness to God. À cause de leur désobéissance. Because of their disobedience to the rules of God. Oh mon frère. My brethren. Crée Dieu. Fear God. Commence à obéir à Dieu. Start to obey to God. Commence à être fidèle à Dieu. Start to be faithful to God. Dieu ouvrira des portes qui n'a pas ouvert à tes pères. God will open doors that are not open for your fathers. Dieu ouvrira des choses qui n'a jamais
destinée. If Satan wants to lead you to go out of your destiny, to make you unfaithful to God, to lead you to live in disobedience, je vais changer ta destinée. I will change your destiny. Tu ne peux pas changer la destinée de quelqu'un. You cannot change the destiny of somebody. Dieu, quand quelqu'un est dans le sein de sa mère, when somebody God has already set up a destiny. God said to Jeremiah, before being the womb of your mother, je te connaissais. I knew you. Avant que tu ne naisses, je t'avais déjà choisi. Having been born, I chose you. Établi prophète des nations. And establish you prophet of nations. Nous naissons pour l'entrer dans la destinée que Dieu a tracée pour nous. We are born to enter the destiny God has set up for us. Que tu sois païen ou chrétien, whether you are unbeliever or Christian, Dieu a un plan pour toi. God has a plan for you. Il a des projets de bonheur pour toi. He has projects of happiness for you. C'est ce qu'on appelle la destinée de Dieu pour les humains. And what we call God, destiny of God for you. C'est le fait que l'on souffre. Is not the will of God. Que l'on soit malheureux. That we should be. Mais c'est par le péché. In my sin. Le péché. Sin. Qui nous a infidèles à Dieu. Make us unfaithful to God. Et qui nous fait sortir des plans merveilleux de Dieu. And make us go out of the plans of God. Et Satan nous manipule. And Satan is manipulating. Pour nous éloigner des grâces excellentes et abondantes de Dieu. Satan far from the excellence and grace of God. On ne peut que vous ramener dans la destinée que Dieu a placée et tracée pour vous. Let God bring us back. Il n'y a pas de changement de destinée. There is no change. On peut t'inviter à retourner à ta destinée première. Invite you to get your destiny. Mais tu ne pourras rentrer dans cette destinée de bonheur et de grâce. You won't enter that destiny. Que par ta fidélité, par ton obéissance. Just by your faithfulness and obedience. Beaucoup ne sont pas bénis dans nos églises. Many are not blessed now. Tu choisis une partie de la parole et mets en pratique. They choose the part of the word they put into practice. L'autre partie là, ils disent que ça les arrange pas, ils laissent ça. And the other part they say they are not concerned. Tu ne peux pas connaître le règne de Dieu. You cannot know the reign of God in your life. Ah, frère, faut dire non. Chapitre 3. It is said in Proverbs chapter 3. Verset 9. Verse 9. Allons lire les Écritures. Let us read the scriptures. Enfin, écoute la parole de Dieu. Listen to the word of God. La Bible dit ceci dans le livre des Proverbes. It is said in Proverbs. Honore l'Éternel avec tes biens. Honor the Lord with thy substance. Et avec la prémisse de tout ton revenu. And with the first fruit of all thy increase. Et Paul dit ceci dans Corinthiens. And Paul said in Corinthians. Dans le Corinthiens, Paul dit ceci. In 2 Corinthians, he says. Je préfère qu'on lit la parole. Let us read. On va lire. Let us read. En frère, dis amen. Say amen, my brother. Que le Seigneur te bénisse. May the Lord bless you this morning. Que le Seigneur t'accorde ses grâces infiniment. May the Lord give you various grace. Que le Seigneur restaure ton âme. May He restore your soul. En frère, que le Seigneur restaure ton âme. May the Lord restore your soul. Que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. And may He give you what you desire. Alléluia. 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 On va lire 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Verset 11. Verset 11. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 11. La Bible dit ceci. It is said. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires? If we have sown unto spiritual things, is it a matter to reap your kind of things? Si d'autres justes se trouvent sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? If other people take our peace, are not we to be particular of that? Mais nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. We suffer all things that we should enter the gospel of Christ. Paul dit c'est un droit. Paul said it's a right. Celui qui annonce l'évangile. But the one who preaches the gospel. C'est un droit. It's a right. De jouir. To rejoice. De bien. About the world. De celui à qui l'on enseigne l'évangile. The one who are taught. Il a mon droit de jouir de tout tes biens. It's my right to Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Do you not know that those who have a minister are served at the temple? De ceux qui servent à l'autel, those who are serving the altar are part of the altar. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. The Lord ordained that those who preach the gospel should live of the gospel. Oh, frère, faut dire amen. Amen. Proverbe, chapitre 9, verset
success. À cause de leur avarice, because of their greediness, leur achèvement, their greediness, leur médiocrité, their mediocrity, leur mauvaise manière de penser, their evil way of thinking, leur pensée tordue diabolique, their bad thoughts and diabolical thoughts, charnel, the fault of the flesh, leurs pensées qui sont contraires aux principes, aux règles que Dieu a établi, the thoughts that are contrary to the principles that God has set up for you to succeed. Ils enfreignent ces principes, ces règles-là. They break up these rules. Leur désobéissance dans la fidélité, Dieu n'a qu'à les bénir. Tu vois, Dieu ne te bénira pas. God will bless them. You are lying. Peut-être que tu vas tricher dans le couloir pour avoir l'argent. Maybe you will cheat to have money. Même le païen sera béni que toi. Even the unbeliever will be blessed than you. Parce que lui-même est dans l'ignorance. Because he is ignorant. Mais toi, même passé de l'ignorance à la connaissance. But after moving from, tu te parles encore fidèle et désobéissant. And you stay unfaithful. Dieu va te laisser de ta médiocrité. God will leave you in your mediocrity. And you shall know what we call failure, being Christian. Honore l'Éternel avec tous tes biens. Honor the Lord with thy substance. Mais quand le pasteur prêche comme ça, when pastors are preaching this way, oh, ça là c'est pour encore, ils veulent l'argent. They say, oh, they want money. Mais ceux qui disent ça sont des problèmes. Don't you say that they are problems? Il y a quelque chose qui ne va pas avec eux. Something is wrong with them. Il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Something is wrong with them. C'est un problème d'ordre spirituel. They have a spiritual problem. Ils sont pas en contact avec Dieu. They are not in a good relationship. Oh, il y a des choses que toi tu fais que moi je ne peux pas faire. There are things you are doing I cannot do it. Regarde, moi je n'ai pas droit à l'erreur. I do not make a mistake. Toi ton erreur on peut tolérer. You your mistake they can tolerate. Toi si tu commets une erreur on va te traiter de gens qui vont t'exhorter, qui vont te consoler. You if you make a mistake people can. Qui vont t'aider à relever, à remonter la pente. They can help you to. Mais moi si je commets un petit centime comme ça de toi ton erreur. But if me I do it. C'est toi qui vas me juger, tu vas me condamner. You will judge me and condemn. C'est vous qui allez me lancer les pierres. You will throw stone at me. Vous allez vous asseoir chez moi non pour me critiquer. You will be sitting to your father beside me. Voilà ce qu'il a fait. This is what he has done. C'est une petite écart de langage, une erreur de langage. If I say thing in my way. Et puis je frustre quelqu'un. And I frustrate somebody. J'ai toujours un problème. I'm on problem. On parlera de ma femme. They will talk about my wife. On parlera de mes enfants. They will talk about my children. C'est ce que les hommes de Dieu souffrent tous les jours. What? Men of God are suffering. On n'a pas droit à l'erreur. We don't have any rest à chaque jour. And it is every day. Homme frère, toi tu peux aller au restaurant pour aller manger. You can go to the restaurant to eat. Tu peux aller dans les grandes surfaces pour aller manger. You can go to the big. Mais moi, si on ne va pas dans les grandes surfaces en train de manger. If they see me there. On va lui voir la prix d'une des gens en train d'aller manger dans les grands restaurants. It took all time for him to go in the restaurant. On va lui voir l'escroquer les fidèles là pour aller payer une voiture. They say he group all his members to buy a car. C'est ce qu'ils vont dire. It's what I will say. Parce que moi je ne dois pas être là où toi tu es assis là. Because I should not be where you are sitting. Aujourd'hui j'ai une petite voiture qui est garée dehors. Today I have a small car there. Demain quand quelqu'un va payer 4 tickets pour moi. When somebody will pay buy a car for me. C'est notre team de la prix pour payer 4 tickets. It's our time for the it took to buy that car. Il y a des choses que je ne peux pas faire. There are things that I cannot do. Mais le pasteur. And the pastor. Il est obligé de déclarer ses biens. He's obliged to declare. Il doit déclarer ses biens. He should declare to well. Sinon on va l'accuser de tous les maux. If not he should be accused of any evil. On va lui dire qu'il a le cancer spirituel. I will say he has a spiritual cancer. On va lui dire c'est un malmaillot comme Makoso. They say he's a cheater like Makoso. Makoso c'est un raté de la société. Makoso is somebody who is lost. Race humaine. He's a lost of a human being. Il est raté ce monsieur. He's lost this guy. Il n'est pas chrétien plus fort que les autres pasteurs. He's not Christian and the pastor. Mais quand je vois des gens qui sont dans la cécité spirituelle. And when I see people in blindness. I cry for them. Yes, is it a father? Un père du diable. Is it a father of a devil? Un frère, dis amen. My brother, say amen. Oui, mais c'est vrai. Yes, it's true. Aujourd'hui, today, le pasteur s'habille bien, ça c'est notre argent. The pastor dress well, they say it's our money. Dis amen. Dress well, say amen. Un frère. My brother. Dis amen. Say amen. Say, on peut pas faire l'erreur. We cannot make that mistake. Le pasteur peut pas aller dans un petit restaurant pour aller pour commander steak, prendre coca, pour quoi? The pastor cannot order in a restaurant. On va le juger. That he will be judged. Il est comme si. He's like this. Oh, il est comme ça. He's like ça. C'est notre frère, prend pour faire ça. We are offering in using. Nous, on est obligé de vivre. We are obliged to live. De manière restreinte. With the smallest way. Fermé. We are closed. Fermé. Close. Qui a dit que c'est un péché pour un pasteur d'aller voyer le restaurant? Who said that it's a sin for a pastor to go to the restaurant? Fast. On a big. C'est pas mauvais. It's not bad. Mais à cause de ma
we are living. Quand moi j'ai des soucis. When I have worries. Quand je vis des problèmes. When I have worries, problem. J'étais une fois appelé pour une fois prier pour moi. Have I told you one day? Mais matin, ministre, c'est pas vous qui m'appelez. Every time you call me. Ah, pasteur, faut prier pour moi. Pastor, pray for me. Ah, pasteur, il y a quel souci? Pastor, I have that worry. Ah, pasteur, je veux te voir. Pastor, I want to see you. Moi, je prie pour toi. I pray for you. Je passe des nuits blanches à prier pour toi. I spend night to pray for you. Pendant que toi tu dors samedi, tu dors bien. While you sleep well on Saturday. Tu vas te lever à 7h, tu te lèves pour venir à l'église. You wake up at 7 a.m. Pour pas que tu te. Moi je prie jusqu'à 4h du matin. I pray until 4 a.m. Je vais commencer à lire la Bible. I will start reading my Bible. Jusqu'à 7h, je vais dormir. Until 5. Et c'est ma fille qui me fait des câlins, me réveille, papa, je vais te porter à l'église. My daughter will come and wake me. Mais puis je vais venir matin, je vais t'exhorter. Then I will exhort you. Je vais t'édifier. I will stress you. Je vais te dire, faut faire comme ça, faut faire comme ça. I will tell you do that. Mais moi, autour qui m'aide. But who is helping me? Ah oui, comment j'ai des soucis spirituels, qui vient me voir? When I have spiritual worry, who comes to me? Combien de personnes ici prient pour moi? How many pray for me? Et puis vous priez combien de minutes pour un jour pour moi? How many nights you pray for me? C'est quoi matin, une fois je vais prier pour vous? I pray for you every time. Vous ne savez pas que les animaux meurent vite à cause du sommeil? You don't know le sommeil. You don't know that animal die early. Et un vrai serviteur de Dieu n'est jamais rassasié de sommeil. A real servant of God cannot. Parce qu'il passe des nuits blanches à crier à l'éternel en faveur du monde. Because he spent all his night to pray God for the people. Pendant que toi tu dors, moi je prie. While you are sleeping, I'm praying. Moi je suis à la brèche. I'm praying. Le peuple peut pas dormir. The people cannot sleep. Et puis la sentinelle aussi va dormir. And the watchman. Quand le peuple dort, la sentinelle veille. When the people is sleeping, c'est quand le peuple se réveille que la sentinelle dort. It, when the people are awake that they. Parce que c'est quand le peuple est éveillé que rien ne peut surprendre le peuple. Because you know that nobody. Moi je suis pas un dormeur. The people. Je ne suis pas une poule mouillée. I'm not a chicken. Je ne suis pas là passer mon temps à dormir. I'm not spending my time sleeping. Je suis bochon. On the bottom. Ou bien si lolo. On the priest. C'est pas mon travail. Not my work. C'est pas mon ministère. Not my ministry. Mon ministère c'est servir Dieu. My ministry is serving God. Je ne suis pas un pasteur accroché de femmes. I'm not a pastor who is tied up to his wife. Ça ne va pas me un appareil une chauve-souris qui accroche les branches. He's bound to his wife like a baton. La journée tu arrives, voilà madame assise dans la tête, comme ça c'est plus là, il est là, il cause. In the day when you come, you see the lady. They are making love. Je ne dis pas que c'est mauvais. I don't say that it's bad. Mais moi je n'ai pas le temps But pour I ça. I don't have time for that. Je n'ai pas le temps pour I ça. I don't have time for that. Parce que je suis une sentinelle. Because I'm a watchman. Je suis un guetteur. I'm a watchman. Je guette ton danger qui vient de loin. I watch the je souffre tous ces morts là. I'm suffering all the tous les vrais serviteurs, je souffre ces choses. All real servants of God. Mais quand il s'agit but what is about? De jouir de vos biens, to rejoice about le Seigneur dit c'est un droit. The Lord said it's a right. C'est là que tu vas trouver les hypocrites. And you will find hypocrites. Les derniers là. The last. C'est eux qui sont là pour dire. They will say. Non, ça là-bas, il ne fait pas aussi. Ah, I won't do that. Oui, il ne fait pas mes choix, bonne santé. I don't do that. Oui, il ne fait pas mes choix. Tu marches, tu n'es pas béni. You are not blessed. Oh, mais voilà pourquoi tu es comme ça aussi. That's why you are like oh, tu ne bougeras pas, je te dis. You won't move anywhere. Parce que tu refuses d'obéir à la parole de Dieu. You refuse to obey to the word. L'apôtre dit c'est un droit. The apostle Paul said. Il dit si tu me donnes tout ton âme, nous ça va quoi. If you give me all your money, what est-ce que c'est mauvais? Is it bad? Est-ce que c'est mauvais? Is it bad? Et puis la plupart de notre vie, c'est les garçons, les hommes, les cœurs, les dieux, les cailloux. And most of the time, it's men who have. C'est eux qui font sorcellerie de l'église. They make
ici. They will spend all the money. Mais on va construire des monde dormir dans bien. They have been the bed and they will sleep. Ils sont se trouvent dans la tombe en train de pourrir. And your bone and the bone. Et puis quand tu n'as pas respecté le principe de Dieu, ensuite tu vas aller dans le feu. And if you don't respect the principle of God, you're going to pity is on hell. Quand tu vas dans le feu, plus pitié. When you go on the fire, there is no more pity. There are people when they come to church, they listen to the people around. If the one is speaking, he don't speak from God. Don't listen to him. Mais si pas la part de if he's speaking from God, il faut l'écouter aussi. Listen to him, yes. Oh, dis amen. Say amen. There are people. Il y a des enfants qui sont maudits dans leur famille. They are cursed in their family. Parce que lui sa prière va être son père derrière. Because he prays and says his father is nothing. Son papa n'a qu'à toujours rester dans la misère. His father should stay in the misery. Son papa n'a qu'à toujours manger placali. His father should eat placali. Tu manges tous les jours quelque chose après ta faim. Some year later. Il n'est pas que son papa mange steak et frites de poulet. He doesn't want his father to eat steak and all those. Il ne veut pas que son père aussi mange de bonne nourriture. He doesn't want his father to. Ça c'est les enfants sorciers. They are witch children. Quand un enfant se trouve dans ton église, when there is a witch, il raconte sa bénédiction et il raconte la bénédiction de la personne. Il a fait une petite année là. Qu'est-ce qu'on dit pas? God does not change. On va faire voler. We will say all today. We will say all today. On va tout dire. We will say all. Et c'est comme ça que se comporte de son dans nos églises. In that way, people. Faut pas les écouter. Don't listen to them. Écoutez la parole de Dieu. Listen to the word of God. Identifiez-vous à la parole de Dieu. Identify yourself to the word of God. C'est un vieux chrétien. And it is old Christian. Mais les nouveaux chrétiens. They are disturbing. Oh, nous sommes les anciens. We are old Christians. Oh, nous on connaît ça. We know that. On faut laisser pour toi. Oh, leave your. Tu as acheté là. You are second. Tu as fait calmer. You will be. Il faut second. Me dire, je ne vais pas me calmer. I won't be quiet. Je ne vais pas me calmer. I won't be quiet. Jamais. Il y a des fidèles comme ça. There are members. Ils veulent voir leur pasteur toujours en train de râler. They want to see their pastor. Je m'achète pour aller au chou, aller prier pour les malades. I want to go to that hospital to pray for. Hey, hey. Je m'assois tout. I walk jusqu'au jour où je vais aller et tout. Until that hospital, I go and I come sous son soleil, back. Under the sun. Le Dieu m'a donné une voiture. The name of the Lord gave me a car. Tu as tiré les lèvres. The witch started to. Dans l'église, dans le quartier, passant par ça, quand vous avez fait par voiture. Your church in that area. C'est une femme qui a payé une voiture là pour moi. It's a woman who bought that car for me. Quand tu vois ça maintenant. 3 years. C'est précis la voiture là. And I'm sure. And I'm happy. Mais quand tu vois un enfant qui n'est pas content que son père réussit, c'est que c'est un enfant maudit. When you see a child who doesn't want to. Tu sais pas que ton réussite de construction aussi dépend aussi de la réussite de ton père. You don't know that your success depends on the success of your father. Dieu, Isaac. Isaac. Il voulait bénir Esaü. He wanted to bless son fils. His son. Qui était le jumeau de Jacob. Who was twin of Jacob. Esaü va me chasser un animal. La Bible le fait. Une pomme qui suit. Hunt for me an animal. Comme tu sais le fait, je vais manger. As you know it. Do it for me, and we. Quand le père l'a rassasié, when the father is quand il est heureux, when he's happy, la bénédiction sort. Alléluia. Alléluia. Un père qui a faim, that the father will. Il a fait dire. Oui. Ces choses sur lui. He's very hard. On dirait malgré plein de choses sur lui. Tu ne comprends pas. Under the wall, quelle bénédiction sort de lui? Which blessing can come out of him? God bless you. Ça c'est la bénédiction des pasteurs qui ont fait. That is the blessing. Ça ça bénit pas. Que le Seigneur te bénisse. C'est quelqu'un qui m'a donné un message qui a écrit comme ça. Qui va te bénir? Tu me mets pas un message qui a dit que ça te bénit. Give me food. Amen. Ça ça passe sur le côté. And go aside. Ça veut dire que je dois manger. Amen. Dieu. Why are you again pastors? Comment est-ce que tu dors? When I pray, you are sleeping. Alors, what? Quand tu as problème, moi je t'essaie, je vais prier à Dieu. When you have a problem, I je vais prier devant Dieu. I will cry before God. Un jour, mes enfants ont vu mes genoux. One day, my son saw my. Jusqu'à toucher les genoux, ah, comment ça n'est pas ça? And they say, what? On traite les genoux de traumatère. And like this traumatère. Je me mets à genoux, comme les genoux, moi, on est le caillou. And my knee become like. Tu veux prendre la main pour couper? You can take a blade. C'est pour toi, je le fais. It's for you. Ah, c'est pas quand tu dors. When I do that, tu you are sleeping. Sleeping. Et puis moi, je prie Dieu. And I pray God. Et puis Dieu dit. And God c'est said, toi pour moi de suivre tout tes biens. It's a right for me to rejoice about your wealth. Pastor, rejoice about your wealth.
say that easy. C'est quelqu'un qui a payé terrain et puis on va aller là-bas. It's somebody who bought that ground for us. Terrain, vous avez pas payé terrain là. C'est quelqu'un qui a payé. That ground is somebody who bought it. That person does. C'est pas que la personne connaît pas la valeur de ces millions qu'il a payé. Not because he doesn't know the value of the money. Mais il a fait ça pour Dieu. But he did it for God. Une telle personne. That person. Même quand il fut béni, ton besoin de plus, il ne faut pas prendre. L'argent l'attache. Amen. Richesse va l'attacher. Amen. La vie va l'attacher. Amen. Oui. Yeah. Maintenant, le mauvais. And those who are weak. Il y a tellement de handicapés. Il y a tellement de handicapés. Ça, c'est les affaires sociales qui vont vous faire. Après, vous dites amen. Amen. Dis amen encore. Amen. Hallelujah. Nous sommes une église bénie. We are blessed church. Pourquoi que tu as choisi quelqu'un parmi nous pour payer notre terrain? Amen. Amen. Somebody to buy our town. What? Yeah. Et nous sommes venus à demander à pasteur qui a payé terrain pour vous. Pastor, if they ask, je vais dire, c'est un de mes enfants qui a payé terrain pour nous. One of my sons bought that land for us. C'est pas quelqu'un qui dérange. It's not somebody out. One of my children. Hey. Yes. Hmm? Yeah. God will use people from outside. Maybe to do other things. What is sure? The first ground that the church received with all his papers. Il me met all that. Je mange seulement. I eat. Non, Dieu, prends ce que tu veux manger.
ce que tu veux. Take all things you want. Celui qui a joué avec mon fils, la mort va le prendre. The one who played with my son. Hey, hey, yeah. On va faire camisa ailleurs, hein? You can play elsewhere. Possiblement, possiblement, vous voulez faire ça, arrive pas ici. All your things you are doing. Oh, frère, faut dire amen. Say amen. Mon frère, dis amen. My brother, say amen. J'ai enseigné sur la prémisse. I thought about first fruit. C'est janvier, janvier a fini. And January is finished. Prémisse de l'année, tu dois en faire dans la maison de Dieu. You should bring the first fruit of your increase. And you will give 500. Stop your comment. Stop that comment you are doing. Put your name. Put your name on the ground. I want to see. Why I want to see me and meet. Amen. Amen. Jésus ne s'est-il pas arrêté auprès du trône? Et il regardait-il pas ce que les gens mettaient? Est-ce que c'est un péché que le pasteur, pendant qu'on fait le jour, il regarde? Is it a sin that the pastor watches? Jésus l'a fait. Non, non, je le fais. So I do. Il a dit, allez faire comme moi. Et il dit, allez faire comme Dieu. And I will do like him. Quand tu mets ta prémisse à devant, you will come to put your faith. Les gens qui ont le malheur, président. The people you don't want to put write your name. Write your name there. Write your name. Say amen. Write your name. 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 Hallelujah. Écris ton nom. Write your name on the. Si tu n'as pas écrit ton nom, prends ton petit conseil. If you have not written your name, ça c'est une chose. Là, on va prendre un petit moment. They are cheaters. They don't want to see. Non, parce que tu as donné ton nom. Où est ton nom? Where is your name? Écris ton nom. With a name, put your name. Prends votre amen. Say amen. Jesus. Jesus. Hey, Jesus. Voilà, mais compliqué, hein? You don't come to the church and complain. You will come and you see people. And among that there will be a bushula. Yeah, is the one who will be the fact to my shot to Jesus. I will never make a mistake because it's a cause of my people. C'est à cause de toi. I should not make it. Dieu sait que toi tu es prêt à me tuer. Because tu as know that you are ready to condemn me. Oh la Syrie. We catch it. Moi j'ai la Syrie. You will catch me. Jésus a dit. Jesus said. Qui de vous me convaincra de péché? Among you will convince me. Tell me where. Tell me where. Where we should use ma maison. My house. Ministère. Ministry. Je ne marche pas n'importe quel pasteur. I don't go with any kind of pastor. Never. Tous ne sont pas des pasteurs. All of them are not pastors. Moi mes amis. My friends. C'est vous. It's you. C'est pas quelqu'un d'autre. It's not somebody else. Yeah. Oh, frère, faut dire amen. Say amen. Nous, on va rentrer au paradis. We will enter the paradise. Un premier n'est pas intégré. The first is not intégré. Le premier qui devient derrière, c'est le premier qui a échoué à cause de leur infidélité. The first who become last. Voilà pourquoi je dis, les premiers seront les derniers. That's why Jesus said, many of first will be last. C'était le premier. They were first. Mais comme vous étiez déloyaux. Because they were disloyal. Vous étiez infidèles. They have been unfaithful. Ils n'ont pas obéi à Dieu. They have not obeyed to God. Ils n'ont pas respecté les règles que Dieu a établies. They have not respected the rules. Among pastors. Frère, faut dire amen. Say amen. Frère, faut dire amen. Say amen. Je veux
Dieu, tu vas devenir grand. I said you will be great. Regarde, toi et moi, on va marquer notre génération. On va marquer notre génération. Ce pays-là va nous retenir 200 ans après. Amen. Ce pays-là va raconter notre histoire. Amen. On fera pas des livres d'histoire des générations à venir. Amen. Pour mettre nos identités. Amen. Et puis, si tu fais tellement l'exception qu'on va non seulement citer le nom de l'église, mais on va citer ton nom. Amen. Ton nom de famille et ton prénom. Your family name and your son. Tu apporteras la maison de l'Éternel, ton Dieu, la prémisse de la prémisse du fruit de la terre. You will bring to the house of the Lord the first fruit of all. Oh, ton premier salaire, tu envoies ça à Dieu. Your first salary, bring that to God. Ceux qui ont calculé ça, ils ont été bêtes à l'école. Tu viens à l'église, c'est là, ils veulent que tu aies fait ça. Et puis, on sait bien, tu vois, ça va t'attraper. Mais tu es sûr que tu as été beaten. Mais quand tu as eu la grâce de connaître tes crimes, c'est pas dans le calcul de ça. Et on va calculer. Regarde. Je prends tout ça. Let us take some things. Si chacun de ces gens, ils sont en mode, il y a 50,000. Ça peut se remonter. Non, le passé, là, c'est pas le jeton. Tu es un sorcier. Oui, oui. C'est à cause que tu vas jamais réussir. Même si toi, tu ne donnes pas. Even if you don't keep. Dieu a parmi son peuple des hommes fidèles et loyaux. God has among his people. Et tu seras avec tout le pays. And that will be blessed. Oui, et puis à cause que je ne l'ai pas. And because of that, I won't be ashamed. Oui. Yeah. À cause que je ne l'ai pas. Because of them, I won't be ashamed. Jésus ne l'aura pas. And Jesus. Autant que Jésus l'a béni, il faut dire. Amen. Il faut dire amen. 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 À cause de toi, le pasteur de l'école de Jean-Anne n'aura pas honte. Because of you, the pasteur of the church. Le pasteur de l'école, la porte de Jean-Anne, le qui passe là-bas, il n'y a rien. Let us see the pasteur of the church. Ça, c'est une honte pour l'assemblée. Il est shame. Mais à cause de toi. Because of you. À cause de toi. Because of you. On n'aura pas honte. We won't be ashamed. Yeah. Ézéchiel 44, verset 30. La prémisse des fruits et de tous les offrandes que vous prendrez par élévation appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur la prémisse de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Amen. Afin que la bénédiction repose dans ta maison. Tu donneras la prémisse de ton revenu afin que ta maison soit bénie. Amen. Give the first fruit for your house to be blessed. C'est moi qui ai écrit ça. Is it me? I've read. Is God who wrote it? Il dit au nom de Dieu avec toutes tes biens. Honor the Lord with all thy goods. Il dit pour que ta maison soit bénie. For your heart to be blessed, you have to give. Mais là tu es pas de. And you don't want to give. Et puis tu as été. And you want to be blessed. Pourquoi tu moques de Dieu? Don't mock at God. Nous sommes dans la fête des prémices. Pourquoi tu moques de Dieu? First of the. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Are you happy this morning? I say, are you happy this morning? You should be happy. Be happy this morning. Be happy. La prémisse appartient au sacrificateur. Belong to the priest. Vous amenez la prémisse. You bring the first. Je vais prendre. I will take it. Et puis, je vais donner au pasteur de l'église. And I will give to the pastor of the church. Oui. Yeah. C'est moi, je vais donner ce que je peux. I will give them what I want. Pourquoi? Why? C'est moi, je suis le père. I'm the father. C'est moi le souverain sacrificateur. Yeah, I'm the high priest. C'est pas tu as appelé le premier. C'est pas la vue la vision. The one God gave the vision. C'est pas la vue ce qu'il faut faire. It's not what you have to do. C'est pas l'établi si le Christ. It's what we have established. It's me. C'est pas moi. It's you. C'est moi. It's me. Moi je suis béni. I'm blessed. La Bible dit que lui la coulée, lui quelqu'un versait sur la tête d'Aaron. The Bible says the order. A coulé jusqu'à sur sa barbe. It come down. Et sur aussi sa robe, le pont de sa robe. And until the robe. Mais ce qui va couler sur ma barbe. And what will come to sur le pont de ma robe là. To my robe. Tu seras coupé. That will be for me. Tu vas sécher sur ma tête. Tu vas fouiller. It's not what is on my head. Tu bois bien. Are you drinking? Ah, après faut dire amen. Amen. Oh, le pasteur a dit amen. Après, c'est ce que nous a donné. Tu te peux dégager.
If you complain, go. Un enfant qui se plaint de son père, c'est pas un bon enfant. Father, a son is complaining about father. Non, 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 mais c'est plus tard que ça. And you say no. Matin, je suis venu. I came in the morning. Le résultat, c'est que Johnny m'a accompagné. Je suis allé me garer là. Lead me there. Il m'a dit, je ne veux pas la voiture sans comme ça. Father, why the guy is so dead? Le fidèle, le Samuel, le deux, ils sont même plus dans la voiture. Where are they? And they haven't watched it. Non, il faut la laisser. I can leave them. C'est eux qui m'aident à payer les gens. They help me to pay them. La fille, ils ont leur papa. Elle me donne aussi. Eat them food, I eat. Non, ils payent. And water and electricity. C'est ça. That's it. Ça pose un selfish man. Because now they don't pay. Non, mais ça, mais je vois sur la voiture. They say, leave me. Mais c'est ça. That's it. Voilà, maintenant, il vient à partir. C'est sale. And he's dirty, the car. Parce que là, il paye mes armes. Il call the rent, il y a le gars dans la maison que je paye. They sleep in the other. Moi, j'ai mal au They eat my food. Quoi, mon nom? They drink my water. Ils regardent ma télévision. They watch my TV. Ils utilisent mon courant. They use my electricity. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. They each of them do as they want. Voilà. Yeah. Et puis, ils ont dit, chez moi ici. And they say, c'est le même chose. On est fait chercher à aller chez eux. In order to move from the house, they want to be in the house. Ici, là, c'est chez moi. Here is my house. C'est chez moi. Here is my house. Cherchez chez vous. Look for your house. Allez chez vous. Go to your house. Et Jésus chez moi. And you will say, I'm to my house. Tu dois avoir un enfant. Et c'est ça. C'est ma fille d'une femme qui parle. It's my daughter d'une femme. Quand elle commence à finir ce truc-là. When I start to do. Papa. Papa. Daddy. Papa, 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 la guerre. Daddy. Papa, papa, la guerre. Daddy. Ne mettez pas un dehors. I will put your thing out. Ne mettez pas un dehors. I will put your thing out. Il a appelé maman Sonia. I will call. C'est maison de maman Sonia. Te mettre dehors. We will put your house. Et lui pardon, mais c'est que c'est vrai que maman Sonia. I know. Alléluia. Alléluia. C'est mes enfants. They are children. Oui. Mais on a aussi. Alléluia. Alléluia. Oui. Yes. Si tu es heureux. If you are happy. Parce que ton père est heureux. If your father is happy. Oh, monte en personne. When there is. Toi. You. Tu vas connaître le bonheur. You will know. Un père. A father qui n'est pas maudit, will not care. Il souhaite toujours. He wish always que son enfant fasse ce qu'il n'a pas pu faire. That he didn't do. Que son enfant arrive là où il n'est pas arrivé. His son wish. Mais un père qui ne souhaite pas que son enfant le dépasse, un papa maudit. A son that a father doesn't want his son to go far. Ma prière, my prayer. Et que vous atteignez là où je n'ai pas atteint. That you reach where I am. Et que vous arrivez où je ne suis pas arrivé. And you got where I'm not gone. Ma prière est que le pasteur a pu faire ce que moi je n'ai pas fait. My prayer that my pastor et que je ne pourrais pas faire. And what I cannot do. Ma prière est que vous possédez la richesse. My prayer est que vous prospérez. And you prospère. Ça va être une fierté pour moi. It will be a proud for me. Tu vois le frère qui va là-bas. You see the brother there. Dans la grosse voiture là. Oui, le fils. Hein? C'est mon fils. Amen. Oui. Yes. C'est ça. That's it. Tu vois la femme qui va là-bas. You see the lady. Dans la voiture là. C'est ma fille. It's c'est une fierté. Mais un papa qui n'est pas fier de voir cet enfant de juste un père aussi maudit. The father that is children's side. Oui, en fait, c'est un père. Yeah. Hier, j'étais avec une soeur de l'église. Yesterday, I was with a sister. On appelait un de mes fils aux États-Unis. We called one of my sisters, my brother, my son. Comme ça, me donne un peu de on a causé par WhatsApp, par vidéo. And we talk by WhatsApp. Oui, le gars assis dans sa grosse, c'est une grosse caca. You will see. Quand c'est neuf, c'est propre, ça sent Amérique. He very new. The USA one. Et puis, il dit à ma soeur. And he said to the sister. Mais c'est moi, je suis le premier fils du papa. I'm the first son of the dad. Il peut même pas appeler parce que du papa. He said, Daddy. Je suis fier. C'est une fierté pour moi. Que mon fils soit aux États-Unis. That my son in the United States. Papa, le Dieu de l'Ontario, if you want to come, tell me I will. Ah, frère, faut dire amen. Amen. Allez chercher moi aux États-Unis. Where should I go to sugar? I'm here. Il va partir là-bas. C'est pas les choses américaines. To que je suis américain. Tout américain. Jesus, faut petit pour faire partie de ça. Stupid thing about doing. Stop it. C'est tout, faut que tu amènes. C'est ça. That's it. C'est une fierté. It's a
Et on proposera devant le Père que l'Éternel, ton Dieu, faut dire Amen. Amen.